Alors dis-moi. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, coupe. Enfin, je suis désolée, enfin, même quand tu vas date quelqu'un au cinéma, c'est rarement pour voir le film, quoi. Est-ce qu'une soirée Netflix peut déraper? Ouais, c'est vrai que ça peut déraper, du coup, faut faire attention. Mais non, mais il faut que tu m'invites à une soirée Netflix. Ah ouais? Et bah ça oui. Pourrait déraper avec moi? Ah bah franchement, lequel des films, dis-moi? Ce film-là? Ah ouais, ouais, mais franchement, pas mal, hein. Pas mal. Non, mais enfin, Netflix and chill, poteau. Si ça dérape pas, c'est que soit vraiment... Mais il y a eu malentendu. Non, mais il y a eu malentendu. Bah oui, hein. Ouais. Clairement. Elle peut déraper, oui. Ah bon? Dans quel sens, du coup? Bah moi, je sais que... oui. Enfin, après, avec mon copain, par exemple. Hein, copain. Ah, voilà. C'est des histoires d'amour. Bah, ça dépend si on regarde les feux de l'amour, lui et moi. Je sais pas ce qui est d'actualité, là, en ce moment. Tiens, une soirée Netflix, est-ce qu'elle peut déraper? Non. Moi, je dors après. Ah ouais? Avec mon gars, moi, je dors. Moi, je pense la même, en fait. Je pense que ça peut vraiment, vraiment déraper très facilement. Bah, quand tu regardes un film, forcément, il y a des chances que ça dérape, comme il y a des chances que tu t'endormes direct, quoi. C'est... Parce qu'il y a des chances pour les deux, ouais. Je pense. Il y a des fortes chances, ouais. D'accord. C'est sûr. Ou après... Mais pendant le film. Je sais pas. Non, même pas. Ouais. À part si le film, il est nul, mais... non. T'es à fond dans le film, t'as dû t'en fous. Je suis à fond, moi, je suis à fond. Faut bien préciser que c'est Netflix et rien d'autre. Bah oui, je pense que ça peut déraper, mais après, c'est sûr que faut être d'accord des deux côtés. Ouais. Genre avec un homme, ça pourrait déraper ou pas? Je sais pas, franchement, je sais pas. Enfin, je suis désolée, hein, mais je pense pas que la majorité des gens qui invitaient des gens au ciné, c'était juste pour regarder un petit film en mangeant des pop-corn. Même au ciné, comme... Bien sûr. Mais le but du film d'horreur, c'est vraiment que la femme finisse dans les bras du mec, hein, ou l'inverse. Genre quelqu'un le qui mec est dans les bras de la meuf. Mais oui, mais en fait, dès le moment où il y a quelqu'un qui est fort au film d'horreur, enfin qui tient de ouf, tu vois, va inviter quelqu'un pour aller voir un film d'horreur, c'est la majorité du temps, c'est pour que la personne finisse dans tes bras. Voilà. Ouais, se rapprocher subtilement. Bien sûr, toujours. Toujours des petites idées derrière la tête, ce Charo là. J'en fais partie, mais c'est pas grave. Ah, film d'horreur, tu sais, j'ai peur, hein. Ah ouais? Ah, j'ai peur, hein. Tu restes dans les bras de ton mari alors. Ah bah je sursaute à chaque fois qu'il y a une action foudroyante, tu vois, Scream. Ouais, voilà. Ah ouais, t'aimes bien ça toi? Ouais. Mais non, si quelqu'un accepte de faire un Netflix and chill, je pense qu'il y a peut-être une petite idée derrière la tête, mais pas forcément, hein. Faites attention au consentement, c'est quelque chose de très important. C'était le petit, la petite alerte. Si par exemple je fais une soirée Netflix avec mes potes, bon ça va pas déraper quoi, mais... Heureusement. Là ça serait bizarre, ouais. Et quand on dit on fait des soirées Netflix, c'est pas pour autant que ça dérape, mais... Tu peux déraper si t'es avec ton copain, et encore moi je suis quelqu'un, j'aime bien finir les films, Je commence en fond depuis mon moment. Non, le film est après. Voilà, à la limite, mais ouais, mais après ça peut arriver, mais pas avec d'autres personnes que ton copain, sinon c'est bizarre. Ouais. Mais voilà. Ah ouais, sérieux? Tout dépend de la personne, je pense. Mais ouais. Ça peut déraper, oui. Si c'est ton copain et que le film il est nul, c'est bon. Je pense, oui. Quand t'es dans le truc avec ton mec, t'es posé, ça peut forcément déraper quoi. Puis après c'est la personne avec qui t'es bien, voilà, c'est une ambiance cocooning, des petits LED, le film qui est lancé, enfin oui, voilà. Un film pourri, après, voilà, ça dépend si des circonstances. Si c'est avec ses potes ou quoi, bah voilà, c'est une soirée entre potes, c'est une soirée pyjama quoi. Mais c'est vrai qu'avec son mec ça peut déraper. Ouais. Bah après ça dépend, hein, des gens, comment ils sont aussi. Ça dépend si l'homme en question bah il est correct. Carré, il vient vraiment en mode soirée Netflix et pas plus. Ouais. Ça dépend. Après, il y en a, c'est vrai ils ont des arrière-pensées et tout. C'est le but de la soirée Netflix. Ouais. C'est pas pour rien si Netflix, je pense que la couleur de l'écran est noire et rouge. Mon Instagram, c'est mana-beauty, donc B-E-A-U-T-Y 972. Tiré du bas, Savietza, S-A-V-I-E-2-Z-A, et retiré du bas, ça veut dire sagesse en Corse, voilà. Allez vous abonner, c'est incroyable, voilà.